Les pompes funèbres Melt vous présentent Devoir d'inventaire. Regardez Devoir d'inventaire avec Eve 972. Le service funéraire Germain vous présente Devoir d'inventaire. Regardez Devoir d'inventaire avec Microcyber. Fortuna Grivalier, la petite sœur de Tiraoul Grivalier. Mise à là, il évoquait beaucoup de choses, vraiment, surtout dans le monde du bélé. Déjà, c'est un frère, comment toujours apprécier. C'est un frère parce que c'est l'aîné des frères. Il fait tellement bas nous, les noter petits. Je vais vous exemple là tout de suite, parce que les mamans et puis papa qui travaillent, c'est lui qui s'est occupé de nous. Et ni en bas, je fais moins que. M'ont toujours apprécié, c'est que maman et papa m'ont tiré l'école pour être plus veiller les plus petits. Alors là, mon cadeau, il fait beaucoup bon nous, il fait beaucoup bon nous. Et puis là, il était en les trois coins, il virait aller l'école pour être former coin, pour être venir, ça a été hier. C'était en caractère, c'est ça. Alors si c'est pas sûr, si ça a été nous là, pas de cas convenir. C'était un qui était tombé. Des certaines choses que il t'a dit moi. Là il t'a parlé moi dit Belin, moi t'a dit justement il était trop sévère. Mais parce que pouchi, moi pour côté dans le monde du Belin. Mais les moins entrer dans le monde du Belin. Moi commencé fréquenter Belin, moi commencé chanter Belin. Moi ouais tout ça il t'a dit moi, hein, c'était la vérité. Parce que tant ou pour on dit dans bagaille, ou qu'a jugé un monde peut-être que ça il cadou là ou qu'a dit bon, c'est pas ça, mais là où on dit dans lui-même ou quoi rendre quoi au compte, ça a été cadeau là, c'était vrai, c'était la réalité. Alors, chers amis, ce soir, nous sommes là pour un hommage à notre ami Tiraoul Grivalier, né en 1934 et décédé en 2017. Tiraoul Grivalier, c'est une vie d'excellence, de lumière, puisqu'il a eu la médaille d'honneur de la Martinique, il a eu également la médaille d'honneur de sa ville, et il a eu en 2005 le prix de la SACEM. C'est une chose heureuse, très heureuse. Mais je crois qu'il ne faut pas que nous oublions également qu'il y a une part d'ombre, de souffrance même, dans la vie de Tiraoul. Peut-être que nous ne l'avons pas vu, nous aurions dû mieux le voir. Parce que je pense qu'il faut que nous reconnaissions. C'était un astre, c'était une lumière. Et il faut que nous sachions que ces grands artistes-là, qui sont des hommes et même des êtres de lumière, là où il y a la lumière, parfois nous le savons tous, il y a également l'ombre et les ténèbres. Il s'est également battu contre ces difficultés et il les a vaincues. Et donc, c'est l'un des messages également de Boulogne Nestor à Zéro, soyons toujours attentifs à la vie de nos grands hommes, de nos artistes, parce que le talent que nous voyons qu'ils expriment, ce talent ne se manifeste jamais aussi facilement que ça. Nous avons tous ici une dette immense à l'égard du bel air et de ses traditions anciennes. Je le dis pourquoi? Parce que pour nous, sans entrer dans le détail, sans entrer dans grandes choses scientifiques, qu'est-ce que c'est que le bel air? Le bel air, ce n'est pas seulement ces manifestations auxquelles nous venons avec plaisir, avec grand plaisir. Le bel air, c'est notre âme même. Et si nous y réfléchissons bien, nous voyons assez facilement que tous les jours, nous fredonnons des rythmes de bel air, que ce soit dans nos moments de joie ou dans nos moments de tristesse. Et donc, ces rythmes-là, ces rythmes anciens, participent à la constitution même de notre être
et participe à la puissance, à la force même de notre être. Et nous pourrions dire, nous qui sommes de tradition culturelle martiniquaise, que soyons-nous. Jean-Baptiste Rotsen, deuxième maire adjoint donc à Sainte-Marie, naturellement ravi d'être là aujourd'hui. C'est un hommage à Tiraoul, c'est un homme de tradition. Et la tradition pour moi c'est deux choses. Le lien extraordinaire avec le passé, et Tiraoul l'avait, puisque c'est un homme du Belay, le représentant d'une des grandes familles du Belay, et puis le lien avec l'avenir. Puisqu'aujourd'hui encore, des années après sa mort, et c'est une tradition qui va se perdurer, nous maintenons ce lien parce qu'il y avait une flamme en Tiraoul qui doit demeurer, portée par ceux d'aujourd'hui, de manière à ce que ceux de demain puissent la porter également, comme lui l'a portée par rapport à ceux d'hier et d'avant-hier. Bonjour, et puis Tiraoul. Tiraoul, c'est un livre qui parti. C'était un monument. Tiraoul, c'était Belay. Qui m'a égal à Tiraoul? Tiraoul, c'était Tiraoul. Parce qu'il n'est pas égal. L'homme, c'était ouvert bouche seulement. Tiraoul, c'était en temps bout. L'honneur et puis respect mon caladion les autres. Maman, c'était en mi-temps mois de décembre. Chaîne la famille sans et capable en maille fort. Oui, frère. La famille belle et capable en poteau. Mi désolation. Matinique et capable en belle place. Mi désolation. Après 83 ans de la vie, Gosier la voix d'or, la voix égale, vini fermé. Après une des décennies, si fait montagne éteigne. Pas parce qu'elle était laid, mais maladie gâtée valide, au milieu. La Martinique doit se souvenir. Ce soir du 18 décembre, Sainte-Marie se souvient et se souviendra toujours. Parce que si on vient à oublier Pierre-Raoul Grivalier, plus connu de son nom, Tiraoul, c'est tué deux fois notre artiste. Comme tout peuple du Conseil des Nations, nous sommes conscients de nos valeurs. Nous mesurons nos responsabilités et nous assumons nos obligations. Quatre années après, nous ici à Jodia, pour songer l'autisme. Mes chers amis, songer Tiraoul, c'est marquer notre identité en rapport avec le monde. Mes chers amis, songer Tiraoul n'est pas un privilège, mais un devoir. Le devoir de l'humanité. Tiraoul, combattant redoutable avec une force créatrice inégalable. Il chantait force prière. Il fait nous savoir de chasser Bibi Dokla. Il chantait sous France pays, moi qu'à songer et j'aime mon âme.
fait nous, nous nous ouvrons yeux pour les affaires. Tu vas où chanter dans mon pays, l'étoile Tala qui a créé l'Orient. L'étoile Tala qui a créé l'Orient. Tu vas où faire nous danser, Pichin Belé. Il fait nous danser, Belé Piché. Il fait nous danser, Kalenda, Grand Belé. Il fait nous goûter dans nous. Tu vas où ce chroniqueur chantant galant de l'imaginaire collectif. Non, l'artiste n'est pas mort, et même moi, jamais. Les compositions de Tiraoul sont révélatrices de notre authenticité et font notre existence. Tiraoul, terreau de notre racine culturelle. Ainsi, ce soir, nous te rendons hommage, monsieur l'artiste. Merci. Moi, ni en nom capoté, c'est Massolin. Moi, ni en douvenant, c'est Josette. Pour moi, Tiraoul, nous peut conjuguer au passé, au présent et à l'avenir. Parce que Belé, c'est témoin de notre passé et pilier de notre présent et de notre avenir. Tiraoul, c'est vrai qu'on a parti, mais il était un bon doupé à d'un machoukan immatériel pays. Et qu'on nous savons, force pays, c'est langue créole. Dans ce pays-là, c'est Belé. Alors, même si Tiraoul parti, ça a fait 4 années, mais nous avons trouvé il a et puis nous, pas à pas, et c'est à sous tambour, nous avons pris force pour nous mener le pays nous du bout. Alors, nous avons une obligation. Nous pas ni doit oublier Tiraoul. Parce que oublier l'artiste, c'est tuer l'homme deux fois. C'est pour dire, je dis, en tant que présidente de l'Office de la culture, des sciences et du patrimoine de la ville de Sainte-Marie, nous avons respecté l'obligation, nous, c'est notre devoir de mémoire. Tiraoul, Kamatché, en tournant dit dans la vie, moi. Parce que ça force à moi, je dis. Mais, des années longtemps, moi, commencé la vie, moi, et puis un monde, et moi, tu ça pas été Kamatché. C'est pas là, moi, tu es peigné, en divini, convenable, pour trouver en bonne situation, baïche, moi. Et bien, tu es soirée belle, moi, ça, tu es où, tu es pour là, moi, allant en soirée belle, là. Et puis c'est là que je suis viré monter à bord l'autoa, Tiraoul Teya. Là, je n'ai pas parlé, puis mon nom qui a conduit l'autoa, je dis au souhait à la, il faut que je prenne une décision. Alors ça fait exactement qu'on l'étoile à la qui a éclairé l'Orient. Aïe, 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 aïe. Il est né le 3 août 1934 au quartier Pérou, Sainte-Marie, et est décédé le 18 décembre 2017. Il est l'aîné d'une fratrie de 11 enfants. Très jeune, il doit quitter l'école pour travailler. Adulte, devenu cultivateur, il vit de la vente de ses légumes. Il a vécu 28 ans au quartier Chertine, à Sainte-Marie, puis quelques années à Trinité, pour en faire revenir au cours de Sainte-Marie. Né d'une grande famille du Belé, très jeune, Tiraoul fréquente les soirées Belé. Il écoute, regarde et apprend. Il s'imprègne profondément de la culture Belé en côtoyant les plus grands. Sa voix reconnaissable, au roucoulement si particulier, avait fait de lui l'un des plus illustres représentants de la musique traditionnelle martiniquaise. Après une longue absence hors de la Martinique, il revient enfin au Pérou, à Sainte-Marie. Il crée alors son propre groupe Caspasa, puis Tiraoul et son groupe. Reconnu pour son immense talent et la richesse de ses textes, il s'est rendu au Maroc, en Espagne, aux États-Unis, en Guadeloupe, à Cuba, à la Cité de la Musique et Sainte-Lucie, où en une soirée, il a pu faire 4 prestations de 15h à 4h du matin. Ça, c'est un nombre. Il a enregistré 4 disques. Le groupe du Mont des Est avec Tiraoul Grivalier durant les années 70. La rivière Les Arts en 1988 avec Atal.
production Louis Deléa avec Roland Rival en 96, Missier Délé, produit par lui-même en 2004. Et il enregistrait aussi avec Kali, Délé Bouba et avec Dédé Saint-Pi. Le grand pianiste Chico Gelman a eu l'immense plaisir avec son accord d'interpréter en tout Krabla Okmak. En dehors de sa vie d'artiste, Tiraoul aimait cuisiner des choses exquises avec amour. Il aimait préparer de la rançon avec du riz et aimait manger le poisson djokok. Il était aussi un fin préparateur de liqueurs avec lequel il recevait ses amis. Pour la petite histoire, lorsqu'il recevait chez lui et servait à boire, il changeait ou lavait constamment les verres après chaque utilisation. Et l'opération se répétait au nombre de fois qu'il buvait. Enfin, Tiraoul, il aimait se détendre devant sa télé. Merci, merci en chahé pour le soya. Tiraoul, c'est le pilier de la culture martiniquaise. Il est reconnu par le monde, il est reconnu par ses chants, par ses textes, il est reconnu aussi par son talent, par sa voix et pour tout ce qu'il dégage. Et puis il a su mener notre culture, notre belay à l'extérieur et il a su nous unir par ses chants. Quand il arrive et qu'il chante, ben, tout le monde est en frisson et tout le monde prend part à la ronde belay. Pour moi, il est toujours vivant. Donc c'est quelqu'un qui va traverser le temps avec ses chants, avec ses textes et avec sa musique. On est là cet après-midi pour honorer sa mémoire, ben, pour se rappeler quand même qu'il était là avec nous, qu'il n'est pas parti, mais qu'il reste toujours présent dans nos cœurs, dans nos vies et dans tout ce qu'on fait tous les jours. Une anecdote concernant Tiraoul, c'est la première fois où je l'ai entendu à la radio et j'ai été vraiment, vraiment subjuguée par sa voix. Ça m'a vraiment paralysée, mais de joie. Thank you.